C'est bon. Ah super, merci chérie. T'as la monnaie? Justement, truc de ouf. Oh, non, 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 Paul, c'est pas vrai. Vous devez nous rendre la monnaie du pain, d'accord? C'est une question de principe. Et je veux pas entendre parler d'histoire de chiens qui ont avalé des pièces à la boulangerie. Ah non, 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 mais c'est pas du tout ça, hein, t'inquiète, je vais te la rendre. Justement, je l'ai utilisée pour acheter un jeu. Non mais je rêve, je ne veux pas qu'on utilise la monnaie du pain. D'accord? Donc quand vous gagnerez votre propre argent, vous le dépenserez comme vous voulez. Mais pour le moment, c'est non. Alors Paul Martinez, s'il te plaît, est-ce que je peux récupérer ma monnaie? T'as pris deux baguettes, tu me dois 2 euros. Tu veux pas plus? Oh mais c'est pas vrai! Mais pourquoi tu discutes tout le temps? Paul, tu te débrouilles, tu prends ton portefeuille s'il faut, mais moi je veux ma monnaie sur le meuble de l'entrée avant ce soir. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Bon, t'as la monnaie sur 50 euros? Bah, d'où tu sors ça toi? Bah si je peux en placer une, avec les 2 euros j'ai acheté un jeu à gratter et j'ai gagné 50 euros. Bon alors au début je pensais partager mais comme tu dis, cet argent c'est le mien, je l'ai gagné donc j'en fais ce que je veux. Bon alors je vais te rendre tes 2 euros, hein. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Et ça fait donc 48 euros s'il te plaît. Question de principe, hein, tu comprends.